Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans cette vidéo de la présentation du nouveau vélo. Ça fait très longtemps que vous l'attendez. Moi aussi, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous la faire. Malheureusement, il y a eu quelques petits imprévus qui font que, en termes de délai de livraison, j'ai été très retardée. Mais ça y est, il est enfin là. Nous sommes à une semaine des compétitions. Nous sommes à Calpe et c'est la meilleure occasion pour pouvoir le tester sous toutes ses coutures. Donc j'ai pu en effet récupérer quelques jours avant le départ pour Calpe mon vélo. Donc le Scott Foyle RC30 2023 sur lequel j'ai pu faire une étude posturale juste avant de partir. J'ai pu donner mes premiers coups de pédale sur le territoire espagnol à Calpe pour pouvoir préparer ma saison, finaliser mon entraînement et mon foncier. Donc si on fait un point technique sur ce vélo, c'est un vélo qui est équipé full céramique. J'ai même une chape en céramique speed qui permet d'avoir moins de friction au niveau de la chaîne et donc plus de fluidité de pédalage. Donc le vélo est également équipé d'un groupe Shimano DI2 Dura-Ice qui permet d'être à la pointe de la technologie sur ce que sait faire Shimano. J'ai également choisi de prendre des pédales Asioma Dio, mais de chez Shimano cette fois-ci. Je les avais chez Look, mais j'ai préféré changer pour la marque Shimano de façon à avoir une meilleure surface d'appui lorsque je pédale et du coup, en théorie, avoir moins de déperdition au niveau des watts. Donc cette année, la taille de mon groupe n'aura pas changé. Je reste sur du 52 pour le grand plateau et du 36 pour le petit plateau, quelque chose d'assez standard pour des femmes. Et en termes de cassette, je vais passer d'une cassette qui allait jusqu'au 34 pour finalement aller sur une cassette qui va jusqu'au 30. Donc là, j'ai fait un exercice de force pendant tout l'hiver pour pouvoir accepter ce genre de transmission puisque l'année dernière, j'étais beaucoup trop en vélocité. Et pour le coup, j'ai même perdu une vitesse puisque ce vélo-là est équipé en 11 vitesses alors que mes vélos précédents étaient équipés en 12 vitesses. Donc au niveau des roues, j'ai choisi de mettre des roues hologrammes. C'est un vélo que j'ai acheté d'occasion à un élite et qui roulait avec ces roues-là, donc tout se passait très bien avec. Donc j'ai décidé de les conserver. On est sur du 38 mm, donc, qui me permet d'aller sur tous les terrains. Je les trouve assez dynamiques, donc moi ça me plaît bien. Et on est du coup sur les modèles de la marque Cannondale, mais qui visiblement se marie très bien aussi avec Scott. Donc ce sont des jantes qui sont compatibles avec du tubeless, mais j'ai personnellement choisi de les laisser en chambre à air de façon à pouvoir moi-même réparer ma roue beaucoup plus facilement en cas de crevaison. Sachant que du coup les pneus que j'ai choisis pour mettre dessus, c'est les GP5000, l'incontournable. Moi j'ai toujours roulé qu'avec ces pneus-là, j'ai déjà essayé d'autres marques vraiment très ponctuellement et j'ai tout de suite senti la différence. Donc vraiment ces pneus-là, les GP5000, je pense que je serai loin d'être la seule à le dire, mais je les conserverai quoi qu'il en soit. Donc au niveau de la selle, j'ai récupéré ma selle habituelle pour la mettre dessus. Je n'ai pas choisi de conserver la selle que Scott propose. Elle ne m'était pas des plus adaptées. Et pour cause, ça peut être assez logique puisque Scott a du mal à faire des modèles féminins. Donc je pense que les selles sont plutôt adaptées pour les hommes. Donc rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a causé autant de délais de livraison pour avoir un vélo alors qu'il est d'occasion? C'est ni plus ni moins au niveau du cintre, puisque je vous en ai parlé, c'est un achat d'occasion que j'ai réalisé auprès d'un élite. Et cette élite avait une largeur d'épaule beaucoup plus importante que moi, puisqu'il avait un cintre en 42. Et que pour ma part, l'étude posturale a révélé qu'il me fallait un cintre en 37. Donc l'écart était juste phénoménal et il fallait absolument que je puisse changer ce cintre avant le début de la saison. Donc on a regardé sur le site de Scott pour se faire livrer un cockpit qui m'était adapté, c'est-à-dire avec une longueur de potence de 110 et une largeur de cintre de 37. Et il s'avère qu'il n'en existe qu'un seul dans le monde, qui est en Asie, qui est déjà occupé forcément. Et donc le délai de livraison aurait été juste phénoménal avant de pouvoir avoir un cockpit complet de la part de Scott. Donc on a dû avoir beaucoup recours à notre créativité pour pouvoir adapter ce cintre à ma pointure et on a donc trouvé une potence d'origine synchro, tout comme la tige de selle qu'on retrouve juste ici et qui nous a permis donc d'avoir notre base en 110 et d'avoir juste un cintre à trouver à côté. Et donc on a choisi de prendre un cintre Bontrager qui est finalement très très joli à mon goût. Ça me plaît vraiment beaucoup, je trouve qu'il est à la fois un petit peu féminin mais en restant très sportif, donc c'est vraiment un modèle qui me plaît énormément et je me sens vraiment très très bien dessus. J'ai été habituée à avoir des cintres en 40 par défaut et c'est vrai que de me retrouver sur un cintre véritablement à ma bonne largeur,
m'offre un énorme confort de pédalage et beaucoup plus d'aisance, notamment pour me déplacer dans les pelotons. Donc l'étude posturale et le réglage de mes cales ont été effectués par Omaha Bike Project qui se situe à Bayeux, avec lequel j'ai eu l'occasion de faire connaissance lors du premier stage à Calpé et qui nous accompagne lors de ce deuxième stage. Donc pourquoi ai-je choisi ce modèle? Je ne dois pas vous cacher que c'est un modèle que je ne connaissais pas particulièrement. Je l'ai découvert justement à Calpé en octobre lors du premier stage, puisque ce vélo appartenait à Damien Degaux qui est du coup le coach d'échappée normande, d'échappée sportive, qui nous accompagne lors des sorties. Et il souhaitait donc se débarrasser de son vélo comme tous les ans. Et il s'avère qu'on fait la même taille à 4 mm près au niveau de la longueur des jambes. Donc c'est le même modèle qu'il nous faut. Sachant que son profil est d'être plutôt bon grimpeur, je me suis dit que même si ce modèle est plutôt aéro, comme j'ai déjà eu l'habitude d'avoir, notamment avec le Yoeleo, cela ne m'a jamais posé particulièrement de problème lorsque je montais des bosses. Et vu sa typologie et le vélo concerné, j'ai tout de suite été en confiance pour partir sur ce modèle-là, d'autant plus qu'il a fait partie des meilleurs modèles de vélo pour 2023. Donc si on ajoute en plus les équipements qui ont été posés dessus, clairement c'est ce qui m'a mis aussi en confiance, c'est de savoir que même si je ne connais pas absolument toutes les technologies en termes de vélo, je sais qu'aujourd'hui, en dehors du fait que j'ai 11 vitesses au lieu de 12, mais moi personnellement, je m'en rends vraiment pas compte, on est vraiment sur un vélo qui va être sur la dernière technologie possible avec les équipements dont il dispose. Et voilà, là ça me permet de savoir que je vais pouvoir entamer une saison où le vélo ne me posera absolument aucun souci et que tous les freins qui vont exister dans ma saison, ils vont se passer là ou ils vont se passer là. Donc c'est un coéquipier que je vais avoir pour toute la saison 2024. J'espère qu'on va pouvoir faire de belles choses. Et en termes de ressenti, si je peux déjà vous donner mon avis au bout de 3 jours et quand même plus de 400 km au compteur, je peux tout de suite vous dire que c'est un vélo sur lequel on peut beaucoup jouer. Il est à la fois rigide et facile à pédaler. Il est aussi bon grimpeur que bon sur le plat pour optimiser. C'est assez incroyable en termes de ressenti. Ce que j'ai pu avoir lorsque je me penche sur mon cintre et que je sens que le vélo accélère du fait qu'il est optimisé sur les frottements de l'air, c'est une sensation que j'avais jamais connue sur d'autres vélos et je me dis que vraiment pour rouler à l'économie ça va être beaucoup plus facile, d'autant plus que moi j'ai souvent du mal à prendre un petit peu les roues, donc d'avoir un vélo qui épouse l'air au lieu de se frotter contre, ça va quand même me permettre d'atténuer mes petits défauts en attendant de pouvoir les corriger. J'ai vraiment envie qu'on aille aussi loin possible ensemble dans la saison et qu'on vous en mette plein la vue dans des résultats qui vont vous plaire pour cette saison qui s'annonce haute en couleurs. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait vraiment longtemps qu'on l'attendait. Donc maintenant, je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce vélo-là. Et puis bah, bien sûr, si vous avez envie de connaître la suite avec le Scott Foil, eh bien, je vous laisse vous abonner pour que vous puissiez vivre avec moi toutes les aventures de l'année 2024.